Parmi les nombreuses légendes urbaines sur les réseaux sociaux, il y a celle de l'automatisation Instagram. Aujourd'hui, on va mettre les points sur les i et vous montrer pourquoi l'automatisation est la clé de votre succès sur Instagram. Je suis Enguerrand Massé, fondateur de l'agence Propulse. Nous accompagnons les entreprises à se développer qualitativement sur Instagram depuis 2017, grâce à l'automatisation. Mythe numéro 1, l'automatisation est synonyme de spam. Alors, premier mythe à dissiper. Automatiser, c'est spammer, j'ai entendu ça des centaines de fois. En fait, c'est complètement faux, réellement. L'automatisation d'aujourd'hui, c'est l'efficacité stratégique incarnée. On n'est pas du tout sur du spam. L'automatisation optimise votre engagement sans perdre en qualité. Les outils qui sont modernes offrent une interaction qui est si naturelle qu'en réalité, même vous ne pourrez pas discerner si c'est fait par un robot ou alors par un humain. L'automatisation n'est pas du tout synonyme de transformation en machine à spammer. L'automatisation qui est faite intelligemment va booster votre visibilité et vos interactions en respectant les nuances de votre audience. Elle permet d'atteindre les bonnes personnes au bon moment avec le bon message. Le mythe numéro 2, c'est l'automatisation peut faire bloquer ou bannir votre compte Instagram. C'était vrai dans le passé, mais maintenant c'est plus du tout le cas. L'automatisation va vous faire bannir, ça c'est une idée reçue, encore une fois. Avec une utilisation qui est judicieuse et des outils qui sont approuvés, l'automatisation est parfaitement dans les clous d'Instagram. Elle respecte les limites, elle limite les comportements humains et elle va garder votre compte en sécurité. En fait, les avancées technologiques qu'il y a eu ces dernières années, notamment avec l'intelligence artificielle, permettent maintenant une automatisation qui respecte scrupuleusement les directives d'Instagram et qui vont assurer que vous allez non seulement garder la sécurité de votre compte Instagram, mais aussi un développement qui est normal, harmonieux et naturel. Par contre, il est vrai qu'il y a plusieurs années, si vous utilisiez des outils qui étaient très grand public et qui étaient trop simples d'utilisation, vous pouviez vous faire bloquer ou bannir. Mais si c'est bien fait, honnêtement, en 2024, vous n'avez aucun risque. Le troisième mythe, c'est que l'automatisation est impersonnelle comme processus. On entend souvent que l'automatisation rend votre compte froid, impersonnel. Et en fait, c'est tout le contraire de mon point de vue. Les outils actuels, notamment grâce à l'intelligence artificielle, permettent une personnalisation à un niveau jamais vu. Imaginez qu'on peut envoyer un message en automatique qui va sonner comme s'ils étaient écrits par vous et ce, à chaque fois qu'une personne s'abonne à votre compte Instagram. En plus, l'automatisation vous donne le temps de créer des contenus de qualité supérieure en vous déchargeant des tâches qui sont répétitives d'aller interagir avec votre communauté ou vos futurs followers. Elle va enrichir l'expérience de vos followers actuels en offrant des interactions pertinentes et personnalisées. Puisque imaginez qu'on peut aller interagir avec tous vos followers actuels pour justement qu'ils se souviennent de vous, de votre marque et qu'ils se mettent à re-suivre vos stories, votre actualité de manière générale. Le quatrième mythe, c'est que l'automatisation ne génère pas d'engagement authentique. La vérité, c'est que l'engagement dépend de la stratégie, pas de la méthode. L'automatisation stratégique, elle va attirer l'attention sur votre contenu et elle va engager ceux qui sont le plus susceptibles de réagir. En fait, elle sert de levier pour amplifier votre portée et votre engagement. On va cibler précisément et en interagir de manière significative. En fait, c'est l'outil idéal pour transformer une simple présence en une véritable influence sur Instagram. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques conseils pour une automatisation qui est dite responsable. L'automatisation responsable, selon moi, c'est connaître les règles d'Instagram, choisir des outils de confiance et compléter et pas remplacer l'interaction humaine. C'est un équilibre entre la technologie et votre touche personnelle, votre personal branding, le branding, la marque de votre entreprise. Quelque chose qui est vital pour un engagement qui est authentique et une croissance qui est durable. Donc voilà, j'espère que j'aurai réussi à débunker des idées reçues sur l'automatisation Instagram. En fait, l'automatisation n'est pas seulement là pour augmenter votre nombre de followers, mais réellement pour nouer du lien avec votre audience actuelle et future. Et en 2024, et c'était le cas même en 2023, avec les énormes avancées de l'intelligence artificielle, c'est une erreur de pas faire confiance à des robots et des IA qui font des actions beaucoup plus authentiques que nous on pourrait le faire, et surtout beaucoup plus rapidement. Ça vous permet de vous libérer du temps sur ce qui compte vraiment dans votre entreprise. Donc si ça vous intéresse d'avoir un compte Instagram qui grandit en automatique avec des followers qualifiés qui deviendront par la suite vos clients, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas dans la description de cette vidéo sur notre site internet et nous vous ferons un plaisir de vous présenter ce que nous pouvons vous proposer pour grandir en automatique sur Instagram et ce de manière sécurisée et pérenne. C'était Enguerrand Massé pour YouTube. Ciao ciao.